je vais faire cette vidéo. J'arrive pas à la faire depuis ce matin. Mais je voulais tout simplement vous dire que je suis le plus heureux du monde. Vraiment. Ça fait plusieurs mois que je prépare les fiançailles de ma femme. Vous savez même pas à quel point comment je l'aime. J'aurais jamais cru faire une vidéo en pleurant. Mais les émotions depuis ce matin, ils sont multipliés fois 100 000. Enfin voilà. Je suis tellement content. J'arrive même pas à parler. Je sais même pas parler. Mais sachez que je suis le plus heureux du monde. Et on va se marier. Voilà. Donc je suis très content et très fier. Je suis tellement... Enfin bref, depuis ce matin, j'arrivais pas à prendre le téléphone, j'étais tellement heureux, tellement voilà, j'ai craqué, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je suis le plus heureux du monde. Et maintenant, on va se marier! Et à toutes, un bon week-end! Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je suis le plus heureux. Je suis sur mon petit nuage. Je vais vous répondre à tous vos beaux messages ce soir avec Doudou. On va regarder ça calmement, sûr, car il y en a vraiment énormément. Bonsoir. Bon, moi j'ai pas l'habitude de prendre des snaps. C'est pas grave, mais tu vas le faire. De mon chéri, ouais. De mon futur mari. Oui. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, je suis indépendante depuis 5 ans dans l'immobilier. Donc, je suis conseillère en immobilier. Mais à côté, je suis commerciale web. Je vends des formations en ligne. Pour tous ces beaux messages. Bisous, bisous. Bonsoir Magali. Merci pour ton message. Et puis, bravo. Pourquoi dans la vie? C'est grâce à elle que je suis heureux, frère. Je vais répondre à Christophe parce que en fait je voulais absolument me marier, je suis très traditionnelle, donc je voulais absolument me marier avant de faire un projet bébé. Voilà, tout simplement ça. Donc oui, affaire à suivre. Mon petit Taos, je sais pas comment on le prononce. Donc la chambre, pour être honnête avec toi, c'était pour nos 2 ans. Et c'est à Paris d'Aïza. C'est un parc zoologique, c'est ça, B? Oui, animalier. Voilà, qui est très réputé. C'est le plus grand d'Europe. Qui protège surtout les animaux. Qui protège les animaux. Voilà, c'est vraiment le top du top. Et tu peux dormir là-bas. Et surtout, tu as des chambres avec des tigres, avec des ours polaires et avec des morses. Avec des loups, avec des morses, avec des pingouins. Et puis avec des phénomènes comme ça.